till I'm gone. I don't need anybody, only you, you can lift me up. And the truth is I'm falling, oh, 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 oh. I'll be there till I'm gone. Ooh, I'll be there till I'm gone. Hello, j'espère que vous allez bien. Au cœur de ce vlog vertical, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de changer un petit peu de format, mais ça tombe bien parce que je vous en parle dans un instant, des choses vont changer aussi sur mes réseaux sociaux. Nous sommes ce matin le mardi 8 octobre, J-16 avant mon anniversaire, qui plus est mes 40 ans, une année, hein, je m'en souviendrai de mon année 2024. Je suis toujours au cœur donc de ce chemin de deuil que je traverse K1, K1, il y a des hauts, il y a des bas. Pas mal de bas, on va pas se mentir, c'est sûr. Comme vous l'avez vu dans la séquence précédente, je viens de traverser un été, somme toute, assez joyeux, ça va, assez mouvementé, parce que pas mal de rencontres, pas mal d'escapades, donc pas mal d'occupations, je pense, dans mon esprit. Et là, l'entrée dans l'automne me fait davantage prendre conscience de à quel point ce mois d'octobre va être chargé émotionnellement. Ça va être la première année depuis ces 13 dernières années que je vais passer mon anniversaire sans mon petit mari, et je fais le choix cette année d'être en date avec moi-même ce 24 octobre, d'être seule pour fêter mes 40 ans. Je sais que ça paraît pas folichon en le disant comme ça, mais je crois que j'aurai une charge émotionnelle tellement intense ce jour-là que je ne serai pas en capacité physique et mentale de partager ça avec qui que ce soit. Donc je pense que c'est bien comme ça, je serai tranquille avec mon petit chien. Est-ce que je me fais un resto en solitaire? Vous avez vu, je pense si vous suivez mon chemin depuis ces derniers mois, que je suis devenue la spécialiste des restos en solo. C'est devenu un truc plutôt cool pour moi, ça va, je l'assume plutôt bien, je l'expérimente plutôt bien. Et c'est ça en fait, finalement plus le temps passe, plus je me rends compte que j'ai à cœur de faire ce qui me fait du bien, de dire oui quand j'ai envie de dire oui, de dire non quand j'ai envie de dire non. Ça paraît des phrases très bateau dites comme ça, mais c'est pas toujours évident à faire. Et ouais, ça a un lien aussi avec mes réseaux sociaux, ça fait un petit moment que je me dis je partage plus rien dans mes publications parce que j'avais axé mes réseaux sociaux beaucoup autour du tarot de Marseille. Et là j'ai plus vraiment envie de partager que ça.
Je reste tarologue et professeur de tarot, bien sûr, ça n'a pas changé, bien que j'ai d'autres activités en parallèle à côté que je souhaite garder pour moi. Mais je continue à vous accompagner avec le tarot. Ce qu'il y a, c'est que c'est presque thérapeutique, au fait, pour moi de partager mes petites stories au quotidien, ces capsules là où je capte de jolies lumières, de jolis instants de nature, mes petites recettes, etc. Tout ce qu'on appelle un peu le lifestyle, le mode de vie au quotidien, avec des vidéos travaillées, avec de la jolie musique, de la poésie. Et vous êtes nombreuses et nombreux à me dire que ça vous fait du bien. Merci beaucoup, ça touche mon cœur vraiment, parce que bah ouais, comme je vous le disais, moi aussi ça me fait vraiment beaucoup de bien de partager ça. Et je me disais, c'est un peu triste au fait que ça reste que 24 heures dans ces petites stories là, éphémères. Et donc maintenant, vous allez voir que mes réseaux sociaux vont un peu changer. Je vais davantage partager ça en publication qui reste au fait. Parce que je crois que j'ai envie qu'à l'image d'un album photo, de garder une trace au fait, en quelque sorte, de tout ce que je suis en train de vivre, de traverser, la manière dont je capture les choses du quotidien. Et ouais, voilà, je continuerai aussi à parler un peu de tarot, bien sûr, mais je vais un petit peu changer tout ça. Voilà. Là, je vais finir mon petit café dans ce mug, on est tous d'accord, beaucoup trop mignon. Et je vais me préparer pour partir à Montpellier, dans le monde merveilleux du tribunal d'instance. J'ai enfin réussi à avoir une audience et cet après-midi, avec mon avocate, nous allons nous battre pour obtenir simplement les salaires du mois de février, mois du décès de mon mari. Car mes deux collègues, auxiliaires de vie, accompagnants de mon mari, n'ont toujours pas été payés. Je vous donne des nouvelles dans quelques instants dans ce vlog, plus tard dans la journée ou peut-être demain pour moi. Et ouais, à plus tard. En direct de notre promenade à Madame Piper qui se tient à carreau parce qu'elle n'arrête pas d'aller manger du raisin et c'est toxique, je lui ai dit mille fois. Et moi-même, dans ce magnifique décor au bout de notre rue où on vient admirer ce soir le superbe coucher de soleil au milieu des vignes. C'est plutôt sympa et ça fait plutôt du bien, je vais vous dire. Après, c'est seulement 15-20 minutes d'audience. On a été reçus, mon avocate et moi, par un juge qui n'a pas l'air très au fait de toutes les questions handicap, aide humaine, maintien à domicile, etc. Donc c'était pas fifou comme ambiance, assez glacial. On est vraiment des dossiers, des numéros de dossiers. Enfin, c'est assez triste, assez peu humain. En face, il y avait l'avocat du conseil départemental de l'Hérault qui a vendu. Voilà, son argumentation, ça a été de dire que, étant donné que j'ai déjà lancé deux gros procès contre le conseil départemental parce que il me réclame 50 000 euros que je ne dois pas, bien évidemment, ça concerne des thématiques pour lesquelles mon mari avait déjà gagné deux procès à l'époque en Alsace, parce que ce sont des situations complètement ubuesques que rencontrent quelques personnes en France en situation de grande dépendance face au département, des situations où il n'y a rien qui est prévu, il n'y a aucune case, aucun cadre qui est prévu pour ces particuliers employeurs en situation de grande dépendance à domicile. Bref, je ne vous explique pas tout dans les détails, c'est très technique, mais je sais très bien que je ne dois pas ces sous. Mais lui, son truc, ça a été de dire, étant donné que vous devez déjà beaucoup de sous au département, eh ben, les salaires de février de vos deux collègues, on les fait rentrer dans le même truc, comme ça on fait d'une pierre deux coups, ce qui est bien évidemment totalement illégal. Donc voilà, je vous la fais courte, ça va passer en appel probablement, peut-être monter à la cour de cassation, etc. Un régal. Je me réjouis d'avance. Bon, je prends ça avec un petit peu le ton de l'humour parce que j'ai la niaque. J'ai la force de mener à bien les combats de mon mari. Même si je perds, j'aurai en tout cas cette fierté en sa mémoire, en son honneur. J'en perds un peu ma voix d'émotion. D'avoir mené des combats que lui aurait menés, je le sais, s'il avait encore été parmi nous. Donc je me bats. Il s'est toujours battu aussi pour les personnes dans la même situation que lui, qui n'avaient pas toujours les moyens financiers, humains, intellectuels de se battre. Donc je continue ces combats-là. C'est pas simple. Ça va durer encore, je pense, des années. Voilà, c'est comme ça.
Je vous reprends, il y a un hélico qui passait et on ne s'entendait plus du tout penser. Je vois que je me suis fait piquer par des moustiques avec ce redoux qu'il y a. Il y a des moustiques partout, c'est un truc de fou, c'est des trucs mutants. Les moustiques d'octobre, là, c'est des libellules, les machins. On est en train de retourner tranquillement vers la maison avec Piper où je vais confectionner un bon petit dîner. J'arrive progressivement, lentement, mais sûrement, c'est pas gagné encore, à reprendre du plaisir, à cuisiner pour moi seule, et puis se passer une petite soirée tranquille, en amoureuse, comme je dis souvent, avec Madame Piper. Et voilà, je vous dis de nouveau à plus tard. Je vous reprends en ce 11 octobre avec une petite mine très fatiguée, mais j'ai pas mal de soucis de sommeil en ce moment. Et après, moult péripéties pour l'installation de cette fameuse porte dont je vous ai déjà parlé, je crois, dans le dernier vlog, mais pas mal en story ces derniers temps. Cette fameuse porte, enfin installée, qui n'a pas du tout vocation à isoler la maison du chaud, du froid ou du bruit, mais qui est purement et hautement symbolique, parce que je vous en avais déjà un petit peu parlé, c'est une porte qui va me permettre de commencer à recompartimenter un petit peu les espaces d'une façon différente dans cette grande maison que j'habite désormais seule depuis le décès de mon mari. Et ça va me permettre de créer ici au rez-de-chaussée tout mon espace privé, mon petit cocon à moi, et de l'autre côté de cette porte, des espaces davantage dédiés à recevoir du monde, que ce soit des proches ou de la famille, mais aussi des gens dans mon activité professionnelle. C'est encore un petit peu flou tout ça dans ma tête, mais ça va vraiment me permettre de commencer à redéfinir un peu plus les espaces. C'est pas évident pour moi depuis 8 mois, je prends conscience qu'après-demain ça fera 8 mois. C'est pas évident pour moi, disais-je, de redécorer, au fait, de bouger parfois certains meubles. Je l'ai vu hier soir, j'ai bougé un petit meuble insignifiant qui était, voilà, qui avait vraiment sa place dans la chambre, dans notre chambre, à mon mari et moi. Et c'est vrai que j'ai encore ce réflexe, bien que ça fasse 8 mois, de « Ah ben non, je peux pas bouger ce tableau, il l'adore, je peux pas bouger ce meuble parce qu'il peut passer ici, sinon il n'arrivera plus à passer avec son fauteuil ou son lit médicalisé. » J'ai encore ce genre de réflexe. Et c'est pas évident parce que cette maison a été construite, conçue et pensée vraiment pour son handicap et pour le fait qu'il vivait alité 24 heures sur 24 dans son lit médicalisé, donc. Et c'est pour ça qu'il y a de si grands volumes, de si grands espaces, c'est pour permettre aussi
lui permettre de pouvoir voir partout, avoir différents points de vue dans la maison. Et aujourd'hui, il faut que j'apprenne à reconcevoir tous ces espaces et même la décoration davantage pour moi. Sachant que mon mari et moi, on avait vraiment les mêmes goûts en matière de décoration. En revanche, on n'avait pas les mêmes goûts en matière de quantité de décoration. Où lui aimait vraiment les univers, les espaces assez zen, assez épurés. Et où moi, j'aime beaucoup tout ce qui est très chargé, très coloré, avec beaucoup de choses. C'est vraiment à l'image de mes tatouages, hein. Il y a de tout et de toutes les couleurs. Je suis beaucoup comme ça. Donc il faut que aujourd'hui j'ose un petit peu plus remettre de la déco plus à mon image ici et là. Mais c'est pas évident parce que je suis toujours dans ce truc. Mais est-ce que ça te plaît? Est-ce que t'aimes bien? Parce qu'on faisait toujours tellement tout à deux que bon, réapprendre à vivre seul, c'est ça aussi. Cette fameuse porte, à force de vous en avoir parlé, je vous montre quand même ce que ça donne. Voilà, donc je suis super contente du résultat, c'est vraiment joli, j'aime beaucoup. Il y a encore, vous apercevez peut-être là en haut, des petits points de peinture à faire pour la simple et bonne raison qu'il aura mis quand même, mon adorable voisin qui fait pas mal de travaux dans la maison ici depuis ces dernières années, il a mis quand même 2 jours à installer cette porte. Hier, au moment de son départ, je crois que tous les deux on s'est dit, d'habitude il y a toujours des complications dans cette maison qui n'a pas les murs droits et qui est pleine de malfaçons, c'est trop beau pour être vrai, ça a été trop simple. On croyait pas si bien dire, pile au moment de son départ, en fait, il y a le mur qui s'est littéralement détaché, enfin qui a explosé, la tringle s'est arrachée du mur. Je vous mets une photo à l'écran. Donc on a laissé tout ça une journée, et puis ce matin il est venu, il a tout réparé, il a tout refixé différemment, plus solidement, et je trouve ça vraiment très joli, et un immense merci à lui, parce qu'à chaque fois qu'il vient, il y a tout le temps des surprises dans cette maison, c'est pas simple. Dernier coucou dans ce vlog, nous sommes le samedi 12 octobre, je m'apprête à aller chercher à la gare de Montpellier une amie qui va rester ici une semaine, il fait un temps assez apocalyptique, elle arrive en plein dans une semaine de ce qu'on appelle ici les épisodes Cévenol, donc très gris, très pluie, ça va être super sympa. Bon, on a prévu pas mal de petites choses à faire, musée, cinéma, moment cocooning à la maison, tranquille, donc ça va être une semaine... Voilà, on va aussi prendre soin de nous, l'une de l'autre et tout. Et j'avais prévu de vous partager au sein de ce vlog aussi une petite séquence, de mes favoris du moment. Mais je pense que ça va être un vlog du coup un peu trop long. Et je le ferai dans une vidéo en fait unique. Je pense que ça sera sympa aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tout bientôt. Prenez grand soin de vous, comme toujours. Salut.